tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, un tirage rapide aujourd'hui. Enfin, peut-être pas que je m'avance de trop, mais enfin bon, en tout cas, j'ai prévu que ce serait un tirage rapide aujourd'hui pour voir si demain, donc, le Conseil constitutionnel va approuver le fameux projet de loi sur le pass. Voilà. Donc, on va regarder. Normalement, ça devrait être oui ou non, hein, donc on va voir. Bon, je n'ai pas trop de doutes sur la question, mais enfin, allez, je vais essayer de rester quand même neutre. Voilà, donc j'ai posé la question, je coupe. La coupe, c'est liberté et accélération. Alors, liberté, accélération. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt par rapport aux manifestations, c'est pas vraiment par rapport à la loi. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel va approuver demain ? Donc, le projet de loi sur le pass, il y en a deux qui voulaient sortir. Donc, dans ces cas-là, je vais en remettre une au milieu. Voilà. Alors, ça, c'est, ça peut être justement le bâtiment où est marqué Conseil constitutionnel, parce que c'est un gros bâtiment, par exemple. J'ai en face révélation, j'ai l'hiver, au milieu, j'ai la conciliation et j'ai le travail. Bon, ça ne me donne pas de réponse. Ça me parle simplement qu'ils vont plancher sur la question, par exemple. On peut voir ça comme ça. Hein. Alors, découverte, révélation, je pense que ça va être en relation avec le fameux variant. Hein. Ils vont certainement en discuter, c'est-à-dire que l'argument par rapport aux révélations que l'on pourrait avoir sur ce fameux variant Delta, découverte, ça va peser dans la balance. Hein. Donc, il va y avoir pour moi l'argument sur... sur ce fameux variant, par exemple, les dernières découvertes sont que c'est beaucoup plus contagieux. Enfin, ce genre de choses. Il va y avoir une argumentation. Bon. Alors, au milieu, j'ai quand même une conciliation. Bon, alors ça, déjà, à mon avis, je pense qu'ils vont faire des aménagements ou des concessions. Hein, des concessions. Et donc là, on a le fait qu'ils vont donc plancher sur la question, mais on n'a pas la réponse. Donc, là, ça me donnait simplement un petit peu le contexte, éventuellement. Ah oui, l'hiver, c'est plutôt une période de temps de 3 mois. On va voir pourquoi c'est j'ai l'hiver. Ça veut dire que cette période-là va être importante. De toute façon, pour moi, l'automne, l'hiver vont être importants. Hein. Voilà. Et puis, éventuellement, au milieu, puisqu'on a des histoires de conciliation, pour voir si, éventuellement sur quoi ça va tomber. Alors, j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Bon, ça sort tout de suite, hein. Ici, j'ai reconnaissance. Là, j'ai les complots, donc ça va discuter dur. Hein. J'ai un commencement et j'ai la défense. Bon. Alors, là, ce n'est pas l'armée. Il faut remettre dans le contexte, évidemment. Mais c'est les honneurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va mettre ça en avant. Hein, j'ai la carte du soleil. Donc, en fait, tout ce qui est en relation avec le variant, le delta, enfin, tout ce que vous voulez, les virus X, Y, Z ou j'en sais rien. Bref, tout ça, ça va être mis en valeur. C'est pour ça que j'ai la médaille. Donc, il va y avoir une reconnaissance, quelque part, une reconnaissance des révélations concernant ce virus. Ça va vraiment peser lourd. Ici, alors, il y a quand même des gens qui vont discuter. Hein. Il y a quand même des gens qui vont discuter. Mais j'ai quand même un commencement, un renouveau. Donc, ce qui voudrait dire que le projet va passer. Alors, au milieu, et là, on va essayer de creuser un petit peu, c'est qu'il y a une conciliation par rapport à une défense. Donc, observation, conciliation, observation, observation. Ben, ça peut être... Alors, j'étais en train de réfléchir. Alors, je sais pas pourquoi... J'ai pensé aux gens qui sont en quarantaine, qui sont en observation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un assouplissement, parce que j'ai souplesse, par rapport aux gens que l'on observe? Alors, les gens que l'on observe, donc c'est ceux qui sont éventuellement en quarantaine, mais ça peut être aussi les personnes qui ne se sont pas fait injecter le produit. Hein. Il y a peut-être un aménagement à ce niveau-là, peut-être un assouplissement, on va les regarder. Et là, pour moi, commencement, je suis désolée, mais commencement, mauvaise nouvelle, ça va passer, hein. Le projet va passer. Donc, on va les regarder ici, et puis on va demander quand même confirmation ici, pour être sûr. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, voilà. Alors, au milieu,
Donc j'ai un dilemme. Ouais, donc ils vont vraiment essayer d'aménager un petit peu les choses, mais c'est pas pratique, hein. Y a ça, d'une part pour amener les choses, donc c'est pas pratique, et d'autre part, il y a quand même quelque chose qui leur pose un peu un problème. Et je pense que c'est justement par rapport au non vax. Alors, est-ce que c'est défense pour eux d'aller quelque part? Parce que défense, je suis en train de réfléchir parce que j'ai pris le sens observation. Mais est-ce que ça peut être défense d'intégrer certains lieux? Et là, ça peut leur poser un problème. Bah oui, c'est quand même contre la Constitution. Et à mon avis, il va y avoir des aménagements. Bon, là, le projet. Projet, voilà. On va remettre encore une carte au milieu, ici, et une. Voilà, ici, et puis éventuellement, allez, une ici, et encore une là, voilà. Donc, au milieu, ouais, c'est ça, en fait, ils sont embêtés parce que ils savent quand même, à mon avis, c'est ça, en fait, ils savent quand même que le fait de limiter l'accès de certains lieux à, ce serait la défense, hein, défense comme défense d'entrée, si vous voulez, hein. C'est à ça que je pense. Ça leur pose quand même un problème, hein, de limiter l'accès des lieux à certaines personnes. Et là, à mon avis, ils ont un peu peur quand même qu'il y ait la combativité. Donc, effectivement, que s'ils entérinent le projet, que ça suscite vraiment des grosses oppositions. Ouais. C'est là, en fait, qu'est leur dilemme. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils vont aménager ça pour le faire passer. Alors, ici, alors j'ai un imprévu. Ici, épreuve. Et là, j'ai bien, alors, accomplissement par rapport à la mauvaise nouvelle et obstacle infranchissable. Ouais, c'est ça, en fait. Si vous voulez, moi, je pense qu'ils vont dire que par rapport au virus, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Obstacle infranchissable, donc impossibilité de faire autrement. Hein. Donc, ils vont vraiment se servir de cet argument-là. Enfin, vous savez ce que je pense de cet argument. C'est pour moi... c'est pas un argument qui est solide. Hein. C'est vraiment rien du tout. Mais eux, par contre, ils vont s'en servir. Ils vont dire que voilà, ce virus-là est très 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 important, c'est reconnu, donc la médaille, et que c'est vraiment un obstacle infranchissable, donc on doit faire cette loi. Mais ils sont quand même embêtés à ce niveau-là. Et là, il y a, alors, leur projet va connaître une épreuve. Donc ça, je pense que c'est après, hein, parce que là, on a bien le commencement de la loi qui va être appliquée. Et puis après, il va y avoir quand même des ennuis. On va essayer de voir un petit peu ici. Comment est-ce qu'ils vont contourner quand même le fait que c'est contre toutes les lois? Et là, ben, c'est simplement mauvaise nouvelle et puis exaucement, ben, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. C'est exaucement d'une mauvaise nouvelle, exaucement d'un malheur, quoi. Donc ça va se faire. Hein. La lanterne, elle joue pas dans le bon sens, ce point de vue-là. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'ils vont contourner le problème. Alors, c'est peut-être trop compliqué, peut-être que je ne le verrai pas. Et là, après, il va y avoir des ennuis. Ouais, nostalgie, regret. Ouais. Alors, ça m'apporte pas grand-chose ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement quelque chose en rapport avec la musique? Ça, c'est possible qu'il y ait peut-être un petit aménagement pour les artistes. C'est possible. Et là, alors par la suite, voilà. Donc c'est en fait le jeu continue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu me dit que oui, ça va bien commencer. Hein, j'ai le bourgeon, donc oui, ça commence. Donc ça veut dire que ça va passer. Mais que par la suite, eh bien, il va y avoir des imprévus au niveau justice. Donc ça leur pend au nez. Hein. Bon. Mais ça, c'est le futur. Moi, la question, c'était de savoir si le projet allait passer. Oui, il va passer. Et donc, mauvaise nouvelle. Mais à mon avis, il y aura un petit aménagement. Alors, je vous ai dit, hein, ça peut être par rapport à la quarantaine. Ça peut être quand même un assouplissement. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus empêcher les gens d'aller partout. Donc, il va y avoir un petit assouplissement, je pense, de ce point de vue-là. Et peut-être quelque chose par rapport à la musique ou par rapport à l'art. Voilà. Et par la suite, une fois que le projet sera passé, eh bien là, ils auront fort à faire parce qu'il y aura vraiment des gros problèmes au niveau de la justice. Bon, donc pour moi, ça passe. Ok, donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, je me dépêche pour ne pas faire trop long. Hein. Et donc la seconde chose, eh bien, c'était par rapport à nos amis belges. Hein. J'avais promis de regarder par rapport à eux. Alors, le pass n'est pas passé chez eux, pas encore. Et je sais que j'ai quand même certaines personnes.
que je salue ici, amis belges. Hein, je sais que vous vous inquiétez par rapport à votre pays qui, malheureusement, a l'habitude de suivre l'exemple de la France. Hein, pour beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, on va voir si, en ce qui concerne la Belgique, si ça va passer chez vous. Alors, je sais qu'il y a quand même des choses qui sont passées, mais je n'ai pas tout en tête parce que vous avez un système assez compliqué quand même. Hein. Au niveau du gouvernement. Alors, on va voir. En Belgique, est-ce que le pass va passer? Donc, comme en France, en fait. Hein. On va voir ce qui sort. Éventuellement, j'irai voir le bail-in. Alors, j'ai quand même une protection, mais j'ai une démesure. Protection et excès. Donc, c'est pas excellent parce que ça veut dire qu'en fait, il pourrait aller dans un excès de protection. Hein. Donc, un petit peu comme en France, hein, où là, ils disent qu'ils veulent absolument protéger les gens, justement, par le pass, ça risque d'être un peu le même discours. Mais bon, alors, il y a deux qui voulaient sortir, on va les prendre. Donc, est-ce que ça va s'appliquer aussi en Belgique? Un peu comme en France, en fait. Hein. Donc là, j'ai une proposition rapide. Donc, il y a des choses qui peuvent s'accélérer pour vous dans votre pays, amis belges. J'ai la mise au vert. Alors, attention qu'il n'y ait pas non plus des histoires de confinement. Et j'ai un changement en ce qui vous concerne. Enfin, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire, oui, au niveau de votre pays, il va y avoir effectivement un changement, mais c'est encore un petit peu caché. Hein. Le jeu dit que c'est encore un peu dissimulé. Ou alors, éventuellement, on ne vous dit pas tout, quoi. Ce genre de choses. Hein. Alors, on va voir ce que c'est que ce changement ici. Pourquoi j'ai repos mis au vert? Ça me fait penser vraiment au confinement. Hein. Alors, j'espère que non. Hein. Mais bon, en France, c'est pareil. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils reconfinent aussi. Alors, repos mis au vert par rapport alors, par rapport au restaurant, par rapport... Alors, est-ce que c'est les vacances? Ah oui, ça peut être les vacances. Hein. Alors, attendez. Ouais, ça peut être les vacances qui sortent ici. Après, j'ai éventuellement, après les vacances, les choses qui s'accélèrent par rapport à la maladie. Ah oui. Ben, écoutez, il va y avoir des changements, à mon avis, après. Hein, après, célébration, repos, c'est... Bon, c'est quand on est en vacances. Hein. C'est ça, à mon avis. Alors, donc, après les vacances, donc... au début septembre, quoi, en fait. Hein. Il peut y avoir des changements. On va voir ce que c'est. Et des changements rapides. Alors, il y a un obstacle infranchissable ici et il y a un piège. Donc, pas bon signe. Hein. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez y avoir droit. Puisque j'ai quand même le danger, le piège qui ressort ici. Hein. Donc, je suis toujours par rapport à ce pass. Et donc là, impossible de franchir cet obstacle. On va reposer la question s'il s'agit vraiment du pass. On va mettre trois cartes. Mais j'ai un petit peu peur que, effectivement, la Belgique fasse la même chose. Alors, l'avenir, voilà, le feu, bah, de toute façon, de votre côté, ce sera les mêmes réactions. Et le pass qui sort, ici. Hein, pour moi, ça, c'est la carte du pass, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, bah, d'abord, ça ressemble. Hein, pass et passé. Ensuite, c'est un livre, donc ça veut dire que c'est en fait un texte sur lequel il y a des indications. Et moi, ça me fait penser vraiment au format du smartphone, hein, du Android, là. Avec justement ce QR code. Ou alors éventuellement un petit document officiel sur lequel on montre justement qu'on a bien été picousé. Voilà. Mais par contre, eh bien, ça va faire par contre. Non, pas par contre, en fait, ça va faire pareil qu'en France. C'est-à-dire que là, ça va mettre le feu aux poudres. Vraiment proprement, à proprement parler. Quand je dis ça, même plus le feu aux poudres, ça veut dire que ça va être vraiment violent. Et il peut même y avoir des affrontements avec le feu. Hein, c'est pour ça que je vais mettre le feu aux poudres. Donc, ben oui, hein, et ça va être rapide. Mais je pense vraiment que une fois que ce sera passé en France, et à mon avis, ça va passer, eh bien, la Belgique sera la même chose, tout simplement. Donc, confirmation par rapport à ce pass, hein, mais qui vient de sortir quand même. Eh bien, voilà, j'ai le présent, la vie actuelle. Donc, vous voyez que c'est très, très présent. Là, c'est juste après les vacances. Donc, je ne sais pas quand est-ce que est votre rentrée. Mais si c'est 1er septembre, ben, on peut considérer que c'est le présent. Donc, c'est là, c'est maintenant. Alors, j'avoue que je n'ai pas du tout regardé les informations sur la Belgique. Hein. Si ça se trouve, y est déjà. Alors, ça va concerner aussi les familles. Donc, attention aux enfants. Hein, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Et donc, intrusion. Donc, voilà, intrusion dans votre vie de tous les jours. Hein, qui va être, donc, comme le lierre, donc, assez étouffant. Voilà, donc, voilà pour ce mini-tirage.
Donc, de mauvaises nouvelles finalement. Hein. Le projet va passer avec, à mon avis, des petits aménagements, mais pas grand-chose. Si ça se trouve, même, il n'y aura aucun aménagement du tout. Mais enfin bon, je le vois passer de toute façon. Et pour la Belgique, eh bien, c'est en cours. Et ma foi, avec la Lune ici, très rapidement. Très rapidement. Bon, bah écoutez, il va falloir se battre. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas perdu tout ça. Hein. Ce n'est que partie remise pour qu'on se sorte de tout ce chaos. La période, je vous l'ai déjà donnée, hein, ce sera vraiment à partir alors on va dire, mois d'août, à mon avis, le pass restera, mais on dirait, je dirais entre septembre, octobre, novembre, décembre, les 4 derniers mois de l'année. Là, c'est fini, quoi, c'est la fin. Donc, tenez bon. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, je vais faire mon tirage open mind, donc si vous avez envie de regarder, n'hésitez pas. Donc, encore personnage surprise. Mais bon. Allez, il s'agit d'une femme. Je vous donne un indice quand même, parce qu'on me l'a réclamé, et puis voilà, quoi. Donc, je vais le faire. Et puis, eh bien, à plus tard. Au revoir tout le monde.